Après de nombreuses études faites par le gouvernement, il a été prouvé que lâcher un like sur cette vidéo pouvait rendre beau, riche et célèbre. Yo, salut les mecs, c'est Matt, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec, pour la deuxième fois, ce petit gameplay sur Call of Duty Ghost. Et donc c'était sur la map Flooded en mode éclair, c'était avec l'arme, la bison. D'accord, c'était une arme assez cheatée, assez vive. Elle était vraiment, elle donnait du punch au gameplay. Et j'aimais bien, moi franchement, Call of Duty Ghost, je l'ai aimé. Donc aujourd'hui, déjà je tenais à vous remercier pour la vidéo de ce matin, malgré que bah, y avait le son, etc., qui n'allait pas. Pour faire vite, en fait j'avais un problème avec mon casque. Mon casque, en fait, il était baissé au maximum. Et le son de la vidéo était au max aussi, donc du coup ça a fait un gros décalage et du coup ma voix, on l'entendait beaucoup moins que le gameplay. Donc c'est pas grave, normalement c'est réglé avec cette vidéo. Donc le sujet que je voulais aborder avec vous, que j'aborde avec vous ce matin, et une fois de plus je vous remercie de tous les commentaires que vous avez postés parce que vous avez été vraiment réactifs et j'aime ça. Et du coup ça motive un peu plus. Donc les gars, je voulais parler tout simplement avec vous de qu'est-ce que est devenu Call of Duty. Où est passé Call of Duty? Franchement, moi j'ai du mal. Cette année, j'ai du mal. Est-ce la fin de Call of Duty? Elle est là la question, les mecs. Est-ce la fin de Call of Duty? Est-ce la fin du nerf? Alors moi, comme vous le savez, j'ai commencé sur Call of Duty Black Ops, premier du nom. J'avais découvert, c'était pas mal. Pour ceux qui ont eu de belles années là, sur MW2 et Code 4, ben, vous avez eu de la chance, franchement, vous avez gagné 2 ans. Mais franchement, maintenant, la Call of Duty, c'est plus que c'était. Déjà, je vais aborder le sujet de visuellement. Visuellement, quand tu regardes Infinite Warfare, il est pas beau. Il est pas beau. Vous avez qu'à regarder sur les lives, regardez sur Twitch, il y a beaucoup moins de personnes qui streament sur du Call of Duty. Et la particularité, c'est que les mecs, ils étaient à 1000, 1200, 1300, 1500 viewers. Et là, il y a plus personne. Ils sont à 100, 150 viewers maximum. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont un ras-le-bol. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Call of Duty, c'est devenu un business. C'est devenu commercial. C'est-à-dire que les mecs, ils en ont rien à foutre de savoir si tu sais jouer ou si tu ne sais pas jouer. Eux, leur but, c'est quoi? C'est de toucher un maximum de personnes pour qu'ils soient un maximum vendus. Et au détriment des joueurs comme vous et moi qui sont fans de la série et qui malheureusement ne retrouvent plus les sensations qu'ils avaient au début. Hein. Faut savoir que moi quand j'allume ma console, quand j'allume IW, j'ai du mal. J'ai plus cette passion, j'ai plus cette étincelle qui me disait de bouger. Tiens, qui me disait, vas-y, va jouer un petit peu. Tiens, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tiens, tu vois même pas le temps passer. Là, vraiment, c'est un calvaire, Call of Duty. C'est devenu un calvaire. Et même la communauté, elle est dégueulasse, elle est archi-raide. Et c'est de pire en pire. Là on parlait de Call of Duty Ghost. Comme quoi, c'était un vieux Call of, etc. Mais franchement, il était magnifique. Il était à l'avantage des mecs qui faisaient des séries, etc., etc., qui tentaient de faire des choses. Regarde. Un truc tout con, je sais pas si vous vous rappelez sur MW3, il y avait un série spécialiste, c'est-à-dire plus tu fragas, plus tu avais des atouts, et ça te donnait l'avantage par rapport à l'adversaire, ce qui est normal et logique. On l'a retrouvé sur Call of Duty Ghost. Maintenant, tout a été fait pour casser tes séries. Même le mec, il se fait arracher, il va débloquer un bonus, et il suffit qu'il appuie sur 2 boutons, il te déchire, il te casse ta série, mais très très facilement. Donc voilà, moi concrètement je suis un peu déçu. Est-ce la fin de Call of Duty? Ils nous ont promis un nouveau Call of soi-disant qui reviendrait aux sources. Mais vous avez bien vu que même Code 4 de l'époque, ça vaut pas le Code 4 d'aujourd'hui. Tu sais, il faut vivre selon son temps. Et c'est vrai que Code 4, à l'époque, il était bien meilleur que le Code 4 de 2017. On est d'accord, je pense, sur ça, on est d'accord. Après, certes, ils ont rajouté de nouvelles armes, etc. C'est bien de redécouvrir, c'est nostalgique. Mais ça ne vaut pas le Call of Duty de l'époque. Comme un MW2 ou comme un Black Ops ou même un Black Ops 2.
Et quand tu regardes même Black Ops 3, Black Ops 3, visuellement, il était beau. Au niveau des couleurs, elles sont belles, c'est joli à voir. C'est-à-dire que toi, t'arrives. Moi, je parle en tant que streamer, là. Par exemple, le mec, il vient, il regarde un peu ton gameplay, il regarde un peu les. Eh ben, ça donne envie. Ça donne envie de regarder. Mais un IW, franchement, tu te lasses assez rapidement. Assez rapidement. Et c'est dommage, c'est dommage. Franchement, là. Là, vous voyez, par exemple, là, sur ce gameplay, il y avait œil de lynx, c'était une tuerie. C'est-à-dire que plus tu faisais des frags, plus les balles de ton arme, elles étaient meurtrières. Et du coup, tu pouvais, dès que t'enchaînais un frag, deux frags, trois frags, et ça faisait des petits, des petits trucs, des hit markers rouges, et c'était nickel. Et vous allez le voir, là, sur la vidéo, de toute façon. Et du coup, je me dis, ben... Que va devenir Call of Duty? On est fan. Quoi qu'il arrive, on va l'acheter. Mais où est le plaisir? Où est le plaisir? Et là, ce que je vous demande, comme je vous ai demandé ce matin, c'est de participer un minimum, de me dire ce que vous pensez de Call of Duty, ce que c'est devenu, ce que vous pensez que ça va devenir, c'est important aussi. Est-ce que Call of Duty a de l'avenir ou c'est tout simplement la fin? Il va rester que les, on va dire, les téméraires, ceux qui veulent pas lâcher l'affaire. Voilà, moi franchement... IW cette année, il est pas transcendant. Hein. J'ai même pas touché le. Tellement, j'ai même pas touché le zombie, j'ai même pas touché le mode histoire. Faudrait que j'aille jeter un coup d'œil, on sait jamais. Mais voilà. Hein. De quoi je voulais vous parler aussi. Je vous en ai parlé ce matin. Oui, sur IW, en plus, c'est pas que j'ai très mal commencé. Comme vous le savez, j'ai eu en cadeau un écran gamer. Je me suis dit, tiens, KEM, au passage. J'ai eu un écran gamer et je me suis dit, ouais, ben, branche-le sur ta PS4, ça va être la folie. Mais j'avais un temps de latence incroyable. C'était injouable. Et chez moi, en fait, l'image, la retransmission de l'image était en retard. Donc du coup, même quand le mec était devant moi, je tirais, mais les balles ne touchaient pas. Et j'avais pas les hitmarkers. Et en fait, j'avais un temps de retard sur l'image. Et du coup, ben, ça compliquait les choses. Hein. Et j'ai raté tellement de séries. Tu comprends pas, t'sais, les mecs ils ont 0,6 de ratio, 0,2, 0,3, ils arrivent à te casser ta série. Et tu te dis putain mais c'est quoi ça? Donc j'ai réglé le souci, donc là je fais beaucoup plus de frags, beaucoup plus de séries. Mais est-ce que vous êtes intéressé par du Call of Duty sur ma chaîne? Moi je pense que, je pense pas, je vais voir, je vais vous mettre quelques petits gameplays, je vais voir un peu, on va tâter un peu le terrain et... Mais en tout cas, moi, Call of Duty, c'est plus mon dada. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, une fois plus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je répondrai à tous les commentaires, ce que je trouve intéressant. Comme toujours, les rageux. Ça sert à rien de mettre des machins, des blabla, parce que ça... Personne ne les voit, vos commentaires. Personne les voit, ils sont automatiquement en spam et je supprime. Donc arrêtez à un moment donné, hein. Bon, je vous fais une grosse bise, merci beaucoup d'être là. Je vous avais mis un petit message ce matin, mais je préfère vous le dire comme ça. Et merci d'être là, merci de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les mecs. Ciao.